Salut tout le monde, c'est Maltotti et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 10, non 27 de notre let's play sur Zelda Ocarina of Time. La dernière fois on avait fait le puits, aujourd'hui on redevient adulte et on va faire quelques quarts de cœur, 4 si on a le temps et si il me reste encore du temps, j'essaierai encore d'en récupérer. Alors je vais en récupérer 1, 2, oui, non, 3. 4 où exactement vous le verrez bien. Je vais faire le champ du lac. Il y a, c'est le truc bleu, la note bleue. Ah bas, droite, droite, gauche. Ok. Ah bas, non merde. Ah bas, droite, droite, gauche. Voilà. Étant donné que je n'ai pas le son du jeu, je peux pas savoir si mes notes sont justes ou pas. Voilà. Oui, je veux y aller. Aloudiloula. Allez, hop, on y va. On y va. Hop, là qu'il y a. C'est génial. Donc, nous allons poursuivre. Hop. Je m'excuse si vous entendez des bruits. Ouais, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'en fait, je viens de finir de manger. Du coup, il y a mes parents en bas qui... s'occupe des couverts. Hop. Il y a un quart de cœur là que je vais faire. Je sais même pas si j'ai déjà fait ou pas. On va voir. Alors, hop. Dans un premier temps, je vois qu'il va faire nuit déjà. On va être heureux. Hop. Je sais plus du tout c'est quoi la mélodie que j'ai faite ici. On va bien voir. Ok, donc c'est ça le rythme. Faut penser à le refaire à l'épouvantail. Je sais pas si je l'avais fait dans le jeu, enfin avant que je refasse. Enfin, je me rappelle avoir fait effectivement un chant de l'épouvantail, mais je me rappelais plus lequel. Donc là, on se met ici, on fait ah 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 ah, même plusieurs fois. Ah, et ensuite on fait la note qu'il nous faut. Voilà, je me suis juste galé. Voilà, donc il y a le petit épouvantail qui apparaît et vous agrippez là-dessus, voilà, parce que vous avez le méga grand grappin de la mort de la tue. Est-ce que, alors, des fois il y a une mouette qui vient et elle m'a juste défoncé. On recule trois fois. Vas-y. C'est laquelle? Vas-y toi, je vais te défoncer. Oh, petit bug de stick qui est parfois un peu chiant. Ceux qui jouent aux émules avec une manette Xbox me comprendront. Wow. Hey. Et donc, je veux le cœur. Enfin, de toute façon, je vais en haut pour récupérer un quart de cœur, donc forcément mes cœurs vont se remplir. Allez, hop hop hop. Ok. Putain, j'ai failli avaler de travers ma salive. Voilà. On s'en va, on s'en fout des pertes de cœur. Enfin, moi, oui. On va s'équiper. Pas tout de suite. Non. Rien à s'équiper. Une fois qu'on sera rentré, les bottes de plomb, bien entendu. Hop. Non, quoique, on va pas l'équiper, justement. On va plonger. Alors, normalement, une fois que j'aurai fini de plonger, il va faire un tilululili. Comment ça? Ah oui, d'accord. Je sais c'est quoi le problème. Je sais c'est quoi le problème, non, c'est pas grave. On va mettre les bottes de plomb, c'est juste que, enfin, on peut nager plus bas, mais j'ai pas ce qu'il faut. Ce n'est, aïe, littéralement pas grave. Par contre, ici, il y a une sculpture là qu'on va s'empresser de récupérer. Voilà. Hop, on
On enlève les bottes de plomb. Hop hop hop. J'aime bien. Alors je vais vous raconter un truc, ça m'a fait rire. Hier soir, je gagne un abonné. Donc du coup, ce qui fait, c'est que j'ai 40 abonnés. Et ce matin, quand j'ai re-regardé mes abonnés, cet abonné qui s'était abonné, c'est désabonné. Ça m'a fait rire sur le coup. Mais je comprends pas ce genre de réaction du genre ouais, je m'abonne et ensuite je me désabonne. Je comprends pas. Voilà. Donc à la place de faire celui-là, on va. J'aime bien ce bug. Celui-là aussi. Enfin, c'est pas vraiment un bug. Mais voilà. Donc on va acheter un quart de cœur. On va en récupérer un autre truc ouais, comme d'hab. Qu'est-ce qu'il me faut? Oui, il va encore me. Non, si. Il va me falloir autre chose. Si je m'y perds comme ça, cela ne va pas trop se faire. Voilà. Hop. Ouais, ça fait à peu près 10 minutes que je tourne. Presque. En tout cas, on va ici. Est-ce que Link est assez grand pour grimper ça? Non. Ouais, bon, on va rien dire. Hein. Allez, vas-y, grimpe. Voilà. C'est bien mon lapin. Hop. Voilà. On met une bombe ici. On s'écarte. Un trou est apparu. Vous vous jetez dedans. Et qu'allez-vous voir? Rien du tout, parce que je crois que je me suis juste trompé de trou. Ça me fait un peu chier en fait. C'est pas grave. Ça veut dire que c'est celui-là qui est juste là. Voilà. On y est. On y est, on y est. What? Mais j'ai déjà récupéré ce quart de cœur. Étrange. Oui, c'est étrange parce que je n'ai aucun souvenir d'avoir récupéré ce quart de cœur là. Ouais. C'est bizarre. On va appeler Epona et on va se retrouver directement. Chambre, c'est rien, chambre d'Epona. Donc c'est au gauche droite, au gauche droite. Au gauche droite, au gauche droite. Ça m'étonne que j'ai déjà pris. C'est pas grave, on va récupérer un autre du coup. Hein. Oh, Epona. Quand même, espèce d'icône là. Tu fais vraiment chier. Vas-y, viens. Ok, bon, bah, je l'ai déjà pris. À retenir. Putain, faut vraiment que je revoie toutes mes vidéos pour savoir lequel j'ai pris, lequel je n'ai pas pris. Hop. Allez, on y va. Voilà. C'est génial. Alors, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver sur ce jeu, même si. Même si à la fois je trouve ça un peu con parce que ça fait presque un an et demi qu'on est sur ce jeu. Et je pense qu'on devrait peut-être un petit peu passer à autre chose. Et voilà, mais de toute façon c'est exclusif, mon frère me donne son PC. Voilà. Epona, je suis désolé. Voilà, donc ici on va dans le trou, bien entendu. Moi, je suis un thug, donc du coup, j'y vais comme ça. J'y mets bien entendu les bottes de plomb. Et il y a un quart de cœur ici. Voilà. Adoulidouga ! Voilà. J'enlève bien entendu ceci. Est-ce qu'il va arriver ? Est-ce qu'il va me sauter dessus ? Non, ça va. Bon. Maintenant, on va aller. Viens ici, Epona. On a la plaine d'Hyrule. Normalement, on n'a plus de. Epona. Voilà. On n'a plus de quart de cœur à récupérer. Maintenant, on va aller
au village Cocorico. Hop. Allez, run. Voilà, j'essaie d'éviter de gaspiller les carottes, bien entendu. Alors, je sais pas pourquoi ils mettent des carottes, même dans Majora's Mask, ils ont laissé les carottes. Mais dans TP, ils ont mis des comment on appelle ça, les éperons. Je crois que je vais me faire insulter par un. Oh là, ok. Alors il y a du bruit. Je m'excuse hein, pour ceux qui ont compris ce qui s'est dit. J'en suis vraiment désolé. Alors, on va y arriver. Je vais juste m'équiper de l'arc parce que je préfère. Hop. Voilà. Non, et s'il nous reste vraiment beaucoup de temps, on ira faire ce petit mini-jeu qui est fort sympathique. Voilà. Hop, donc on y va. On y va. Allez, je peux le faire, voilà. Hop. Alors pour ceux qui se disent, mais en fait t'es en train de retarder le donjon. Donjon quelque part. Oui, quelque part je suis en train de retarder le donjon parce que c'est vraiment un donjon que je déteste. Pour une raison, je vous le dirai pourquoi exactement quand on y sera. Parce que ce sera le mieux. Donc ici, vous faites ça. Oh, quart de cœur. Et on va récupérer un autre. Bien entendu. Qui est ici. Pour ceux qui se rappellent. Dans la tombe d'Igor. Alors on y était allé il y a longtemps. Donc l'épisode va s'appeler Igor. Voilà. Ou point d'interrogation. Et oui, parce qu'en fait on est dans une zone qui s'appelle point d'interrogation. Alors le but c'est d'arriver en moins d'une minute. Donc voilà. On vous speed. Le bord là, il va me cracher une de ses flammes ici. Il passe là, voilà. On passe là comme ça. Hop, de quel côté il est parti? Il est parti là. Oula, ici il est passé là. Ici il est allé. Moi je passe là, ça revient au même. Même qu'on gagne un petit peu de. Oh Link, oh non, je crois que ça va être mort. Faut jamais dire que c'est. Je crois que j'ai fait de la merde. Je crois. Ouais, j'ai fait de la merde. Bon ben, déjà on recommence. Ouais, non, là c'est foutu. Ouais, voilà. Donc, voilà ce qui se passe quand on se loupe. Hop. Voilà. Et nanana. Bien entendu, il fallait que je tombe en plein dedans. Sinon, c'était pas drôle. Voilà. Donc, PCP, fais-toi plaisir. Hop. On voit ici. Oui, donc, pour ceux qui savent pas, c'est PCP qui fait mes bêtisiers. Donc, normalement, bientôt, il devrait y en avoir. Le bêtisier de libre. J'ai failli ne pas tourner, hein, je vous le dis. Oula. Oh. Je l'ai vu au dernier moment grâce à un bug graphique, il est parti là. Ah putain. Ouh, pourquoi j'ai quelques rames là? J'espère que c'est pas dérangeant. Non, ça. Je vais pas faire attention parce que là j'écoutais autre chose en fait. Parce qu'en fait du coup j'entends la télé, vous normalement vous ne l'entendez pas. Il est parti à gauche. Et ouais. On a. Ouais, c'est foutu. C'est foutu, faut le refaire. Bon là il va nous donner un rubis hein, du coup, mais c'est tout. Oh là là, j'ai jamais été aussi nul pour ça, bon c'est pas grave.
Au pire, je leur ferai un off. On va faire le mini-jeu que je vous ai dit, et ensuite on fera... J'ai ramassé lui. Ouais. Je vais faire le mini-jeu que je vous ai dit, et ça, je pense, ouais, je leur ferai un off. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut juste arriver en moins d'une minute et vous aurez un quart de cœur. Voilà. On va aller, du coup, ici. Voilà, voilà. Bonjour, monsieur. Alors, le but, c'est d'arriver à tout avoir. Hop, comme ceci. Là, ici, voilà. Bim. Pas trop dur, j'ai envie de dire. Ah non! Oh, nul. Ah, nul. Voilà. Oh, je l'ai eu. J'ai cru que je voulais point l'avoir. Putain, je voulais louper qu'un seul. Comme à chaque fois, en fait. Non! Non! Ah bon, c'est pas grave, hop, bim et bim, peut-être mieux, hop, c'est resté à peu près par là, ah, là c'est mort. On va monter légèrement. Voilà, je l'ai eu. Voilà, bon. J'ai eu les deux plus durs. Est-ce qu'il va y avoir le verre qui saute? Ouais. Ouf. Hop. Et hop. Voilà. Donc, on a un très gros carquois. C'est magnifique. Bon. On s'en va. J'ai réfléchi à un quart de cœur que je pourrais faire. Mais on va réessayer le truc d'Igor ensemble. Et si je n'y arrive pas, je ferai un off. Donc du coup, ne vous étonnez pas si j'ai 15 cœurs à la fin au début du prochain épisode. Voilà, donc je me répète, hein, bien entendu. Mais voilà. Bon. Hop, hop, et hop, en gros, j'ai 2 minutes d'épisode, ouais. J'ai 2 minutes d'épisode. Donc j'ai essayé vraiment une dernière fois. Hein. Hop, on rentre dedans. Igor va me parler. Hop. Voilà, donc c'est parti, j'ai failli me reprendre la flamme comme tout à l'heure. Hop, on passe ici, on va là, attention à la flamme, il passe à gauche, bien entendu. Igor, je t'aime, je t'adore. C'est vraiment un de mes personnages préférés, les Zelda. Igor le Fossoyeur, je sais pas, il a un truc qui me, enfin je sais pas. Il y a un truc qui me frappe chez lui, c'est... Je sais pas. Il y a vraiment une tête qui me plaît. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc si vous avez entendu une dame crier, ne vous inquiétez pas. C'est qu'il y a du monde chez moi. Vous pensez vraiment à passer là où je viens de passer parce que c'est plus rapide. Hop. Voilà. Ok. C'est foutu. Oh, putain. Bon, ben, je réessaye. Ouais, bon, si l'épisode dure 1 minute de plus, c'est pas trop grave. Je vais essayer. Faut vraiment que j'y arrive parce que. Je sais pas pourquoi je n'y arrive pas, c'est peut-être la sensibilité de la manette parce que sur Nintendo 64 ou sur GameCube ou sur 3DS, mais 3DS c'est plus facile parce qu'ils ont arrangé la sensibilité, mais... Ouais, sur GameCube et Nintendo 64 j'y arrive très très bien, il n'y a pas de problème. Putain. Non, il n'est pas passé par là, bien évidemment, faut que je me trompe. Je crois que je suis dans la merde.
Ça va. Il est pas passé par là, il est passé là. Bon, vous voyez, là, on voit que c'est mort. Un, deux. Quoique, on est en train de le rattraper. Hein. Bon, pensez vraiment à passer là où je passe parce que. Voilà, je vais me répéter plusieurs fois. C'est juste plus rapide. Bon, par contre, je crois vraiment que c'est mort. On va essayer, bien entendu. Putain, sensibilité. Bon. C'est mort. Écoute, hein, Igor. Bon, bah écoutez, les amis. Dans l'épisode prochain, on se retrouvera dans le temple du temps avec un cœur en plus. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis ciao et à la prochaine. Bye tout le monde.